Dans l'application Paper, vous aurez accès à plusieurs carnets de dessins. Dans chacun des carnets, vous pourrez ajouter plusieurs pages sur un même thème. Dans ce cas-ci, c'est un carnet sur le croquis-notes. Pour ajouter une nouvelle page, vous n'avez qu'à cliquer sur le « plus ». Paper vous offre ensuite plusieurs outils de dessin comme une efface, des plumes, un crayon ou des pinceaux. De mon côté, je vais prendre la plume qui vous permet de faire de belles lignes avec un peu de style. Pour ce qui est de la couleur dans les vidéos, moi j'utilise le rouleau, mais dans votre cas, dans la version gratuite, vous pourrez utiliser le pinceau, ce qui va donner un effet aquarelle à vos croquis. Mais c'est très joli. Vous pouvez zoomer en pinçant avec vos doigts pour travailler sur un détail précis. Enfin, une fois votre dessin terminé, vous pourrez partager votre dessin avec la flèche. Vous pourriez l'imprimer, l'enregistrer dans l'application Photo, l'envoyer par AirDrop ou par courriel. Pour plus de détails sur comment utiliser le croquis-notes en classe, visitez notre parcours de formation.